Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va bien. Alors, petit rouge à lèvres, petit moment au rouge à lèvres à remettre. Parce que vu que je bois et tout, enfin remarque, il y en avait encore un peu, hein. Mais vu que je bois et tout entre deux vidéos, parce que j'ai déjà fait vidéo produit terminé et vidéo le haut glossy box. Et là, on va terminer par une vidéo pour la journée. La première partie de la vidéo de chez Shine, et on fera une deuxième partie donc avec tout ce qui est ce qui n'est pas affaire que j'ai mis là, et peut-être des affaires parce que du coup ça dépend combien de temps la vidéo va durer. Et demain, comme ça, j'aurai juste l'autre partie de Shine à faire et les achats que j'ai fait aujourd'hui, du coup, qui sera pour demain. Voilà, je suis en vacances. Autant étaler les vidéos, voilà. Mais là, en fait, j'ai fait deux vidéos et en fait, j'avais trop envie. Je l'ai depuis hier, donc comment te dire que j'ai un petit peu envie de l'ouvrir. Alors, j'ai fait une grosse commande chez In de plus de 100 €. À chaque fois, vous voyez mes vidéos chez In, c'est que je fais en plusieurs parties. Voilà, je fais souvent 2 ou 3 parties de vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait je fais en 3 fois, tu sais là, les paiements 3 fois sans frais là, je fais ça et comme ça je peux prendre beaucoup plus de choses. Et d'ailleurs je vais vous faire ces deux vidéos là, peut-être 3, parce que du coup il y a quand même pas mal de fringues. Et je referai une autre vidéo chez parce que je vais recevoir un autre, faut que je fasse ça ce soir là, parce qu'en fait j'ai pris des affaires, donc j'ai pris short, machin, machin. Et il y a des robes, je voulais prendre des robes, j'ai vu des robes. Et en fait, j'ai pas pris de robe, j'ai dû prendre une robe pour cet été, c'est tout. Donc voilà, on va voir ensemble la texture des habits. Parce que l'année dernière, j'ai acheté des shorts et la texture des shorts ne me convenait pas. Et du coup, si les shorts ne me convient pas la texture, il n'y a pas de panique. Je vais vous en montrer un. Il ne sera pas perdu. Enfin, genre, c'est ce short-là que j'avais acheté l'année dernière. Voilà, il est très bien, mais en fait au niveau de la coupure, enfin de la longueur et tout, ça me va pas. Et puis le haut comme ça, là, un peu frisouille comme ça. Donc ça, c'était aussi de chez Shein. Il y est encore chez Shein. Et du coup, bah ça, je l'ai vendu du coup. Je l'ai vendu à quelqu'un. Et du coup, donc les shorts, si la texture, c'est la même texture que celui-là, donc il y avait même le petit cordon. Si c'est la même texture que ce short-là, je lui proposerai du coup bah, plus cher que celui-là, parce que évidemment bah, je l'aurais payé là. Et voilà, parce que sinon je peux me faire rembourser. Voilà, tu fais ta commande et tu peux te faire rembourser de ta commande, enfin, des certains produits. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par le déballage, puisque déjà 3 minutes de blabla, ça fait un peu beaucoup. Et comme ça, je pourrais ce soir mettre tout ça ce soir en... à laver. Alors on va commencer par les maillots de bain. J'en ai acheté 2, donc j'ai acheté un premier maillot de bain comme ceci, en mode hop, je me recule pour que vous puissiez voir, en mode comment ça s'appelle, tu sais, en mode bah j'allais te dire uni, mais pas uni, mais tu sais, en mode une pièce. Voilà, il y a même les trucs qui collent là au niveau de la foufouna pour essayer, mais si je vais peut-être laisser, parce que je vais peut-être essayer, je vais laisser le sticker. Désolé, il faut mettre le sticker, mais de toute façon je dirai quand j'essaie, je garde la culotte comme ça au moins je suis sûre. Donc je vais essayer, je vais voir. Alors ça, je ne sais pas si je vais garder ou pas, parce que les trucs uniformes, en fait j'ai dit vas-y je teste, parce que c'était vraiment pas cher. J'ai pas les prix en tête, donc je vais pas pouvoir vous donner les prix, mais c'est vraiment pas cher. Et en plus les bretelles sont ajustables juste ici. Et je me suis dit, parce qu'en fait j'ai jamais porté de trucs comme ça, et vu que je suis forte, je me suis dit que ça se trouve ça n'allait pas m'aller, parce que ça allait me grossir encore plus. Tu vois, genre comme les doudounes, ça, quand t'es costaud, ça grossit encore plus. Donc j'ai dit vas-y Mélanie, essaye. Si j'essaye pas, je ne peux pas savoir ce que ça va donner. Et en plus au niveau de la poitrine, il y a le petit nœud. Et j'ai bien fait gaffe de prendre avec les barres comme ça pour bien tenir les tétés. Donc voilà pour le premier. Ensuite, on va regarder le deuxième. Donc ça pareil, je testerai ce soir celui-ci. En fait, je teste tout ce soir. Et alors vous n'aurez pas d'essayage sur moi, clairement.
parce que je sais pas faire des vidéos machin comme ça, rajouter des trucs. Et vous n'aurez pas les sièges sur moi, mais n'hésitez pas à aller voir du coup sur chaîne les mannequins qui portent les voilà. Ensuite, deuxième maillot de bain, cette fois-ci en, j'allais dire en deux tailles, n'importe quoi, pas en deux tailles mais en deux parties. Donc on a une partie qui est comme ceci, donc voilà. Alors attendez, est-ce que les vêtements je suis toujours pas aussi douée à les montrer, tu vois. Le petit machin. Alors, le petit truc du dos, comment ça se met? Je dois se clipser. Alors, je suis en train de chercher la façon. Alors, souvent, c'est comme ça. Là, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Ouais, ça a l'air d'être une galère. Bon, le clip, ça a l'air d'être, un peu une galère pour le mettre. Bon, je m'entraînerai à mettre le clips, parce que les clips, c'est comme ça, c'est pas des clips comme d'habitude, enfin, comme j'ai l'habitude d'utiliser. Non, comme ça. Donc voilà, bref. Donc il est comme ceci, j'ai pris un peu à fleurs, parce que qui dit été dit fleurs, donc, enfin, pour moi perso. Donc voilà, donc le haut il est comme ça, on va rester 15 ans sur le même truc. Et la culotte elle est comme ça, donc oui, je suis une... j'ai un gros popotin. Enfin, j'ai pas un gros popotin, mais du coup, vu que je suis en taille... j'ai pris 40 je crois. Enfin là j'ai pris XL, donc ça va peut-être même être un peu grand. Parce qu'en général je prends L, mais vu que c'est sur Shein, je prends toujours un peu plus grand. Donc voilà, on verra bien. Voilà, et en fait c'est surtout pour le haut, en fait les bas ça va. Mais les hauts en général j'ai du mal à trouver. Donc ça, les deux là je vais tester ce soir. Bah, de toute façon je teste tout ce soir en tous les cas, au niveau des habits. Ensuite on a ça. Donc toujours tout est dans des petites pochettes comme ça. Vas-y. Donc je les garde tous. Alors ensuite on a un haut comme ceci noir. Voilà, donc vous voyez bien le détail du haut. Franchement il est plutôt pas mal. Alors par contre je pense que la texture est faite pour au niveau tissu, plus pour l'hiver que l'été, clairement. Parce qu'il est, il a l'air d'être hyper épais. Voilà. Donc il a l'air plutôt joli. J'aime bien le petit détail devant. Voilà, donc je l'ai pris en noir, donc franchement très joli, très uni, voilà, plutôt sympa. Donc ça je valide, à voir si c'est ma taille ou pas. Alors par contre je vais juste les remettre dans les emballages, parce que parfois je dis que ça me va mais ça me va pas clairement. Donc voilà, et au pire les fringues, ce que je ferai c'est que je regarderai le prix et je l'offrirai et je dirai à ma copine là, si elle le veut ou pas. Oh bah ça clairement. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà pourquoi je prends jamais. Enfin, j'essaie de ne pas prendre souvent sur Shein. Alors, soit c'est moi qui me suis trompée, soit c'est eux qui se sont trompés. Donc, une jolie robe. Ah, je suis dégoûtée. Une belle. En plus, elle avait l'air trop belle. Bon, bah ça, du coup, ça sera renvoyé. Une robe, du coup, pour enfants. Ah ouais, Shane's Kids. Bon, je crois que je me suis trompée. Donc ça, bah celui-là, bah, je vais le renvoyer parce que je me suis trompée. Super. Et là, bah, je vais pas pouvoir donner à la dame à qui je peux donner les chats. Donc ça, je vais mettre ça où? Les renvois, le renvoi, je mets ça par terre. Voilà. Je pense que ça se trouve, j'ai fait d'autres conneries. C'est pour ça, du coup, que j'ai du mal à aller sur Shein, parce que je fais toujours des conneries où c'est soit trop petit, soit trop grand. Ça devrait aller. Les t-shirts, j'ai pris XL. Parce que la dernière fois, j'ai pris L et ça me faisait des crop tops. Clairement. Donc, même celui-là, je pense que. Quoique, il a l'air d'être pas mal élastique. Celui-là, je pense qu'il a l'air, il est plutôt pas mal. Avec le petit nounours. Voilà, comme ça, sur le bout de ma tête. Mon ex, enfin, j'ai un ami, il a le short. Et moi, j'ai voulu le t-shirt. Parce qu'il est vraiment beau. Les trucs comme ça, les logos, je trouve qu'ils tiennent quand même pas mal. Bon,
au bout d'un certain lavage et d'un certain moment, il commencera à craquer. Je vois comme là, mon t-shirt Madagascar, il commence à craquer. Mais ça tient plutôt bien. Ensuite, une veste. Alors, je regarde le temps parce que peut-être que je vous ferai plusieurs vidéos. Une veste rouge, comme ceci. Alors ça, les vestes, j'ai pris soit L, soit XL. Lui, c'est un... Bon, L ou XL. Il n'y a pas marqué. Est-ce qu'il y a marqué sur le... Bon, c'est soit L, soit XL. En rouge pétant comme ça, j'ai la même, mais en bleu marine. Ça va peut-être être... Non, ça devrait aller, je pense. Vu que c'est élastane en bas, je pense, il y a beaucoup d'élastane, je pense que ça va m'aller. En même temps, là, je suis un peu assise, donc... la fermeture éclair, elle a l'air pas ouf, hein. Ouh, la fermeture éclair, elle a l'air pas ouf. Oh, si, ça me va, ça peut aller. Peut-être un peu petite, donc c'est peut-être un L. Enfin, ça va encore, mais c'est peut-être un L. Alors, je vais essayer de me lever pour que vous voyez en bas. C'est peut-être un L. Parce qu'au niveau du bidou, là... Mais en soi, ça va. Mais il ne faut pas que ça soit plus petit. Donc, celui-là, je pense que ça doit être le L. Mais c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas marqué. Donc, ça, je vais la garder. Et au pire, si dans l'année prochaine, elle ne me va plus... C'est pas grave, je sais à qui je peux filer ça, à qui je peux vendre ça, vraiment pas très cher, parce qu'en général, quand je vends à la personne à qui je pense, je lui vends pas très cher, vraiment. Parce que ça sert à rien de vendre très cher, et puis en plus, ça devait être quoi? Ça devait être 10 balles la veste, même pas. Donc voilà. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas la taille, ça m'aurait intéressé de savoir la taille. Ah, c'est un L. L, donc il faut que je prenne XL. Je crois que j'ai une autre veste et je l'ai prise justement en XL parce que je ne sais plus si c'était L ou XL ma taille. Ah bah c'est cette veste là. Et cette veste là je l'ai pris en... Ah non, je l'ai pris en L aussi. Pourquoi j'ai pas pris XL? Merde. Ou alors ce que je fais c'est que je les renvoie et je le reprends en XL. Je vais peut-être faire ça parce que ils sont un peu... Ils sont un petit peu petits, en fait. Ouais, je pense que je vais les renvoyer. Bon, bah, vous voyez. Mais ouais, je vais les renvoyer. Je vais les reprendre en XL. Je vais les reprendre en XL parce que elles, c'est un peu juste. Mais tu vois, là, elles sont sublimes. Hein. Et la fois d'avant, j'avais pris L et XL, justement, pour en récupérer, en garder mon une sur les deux. Du coup, les vestes, je pense que je vais les renvoyer et je vais les reprendre en XL, du coup. Voilà, donc ça, t'es sûr que je renvoie. Voilà. Ensuite, un petit short. Ah, c'est les fameux deux shorts. Ouais. Ils sont comme ça. Alors, ils sont pas froufrou, donc à voir. Les shorts, j'ai dû les prendre en... Ah, je les ai pris en XL. Eh ben, attendez, on va tester sur le pantalon. On va regarder si ça me va. Les copains. Avec mon gros bidou. Alors, est-ce que c'est pas mal ou c'est pas mal? Attention, je me lève. Ouais, c'est pas... Bon, après, j'ai un pantalon en dessous, donc c'est pas forcément ouf. Après, à voir, parce que la matière, c'est un peu... La matière comme... Comme l'autre que j'ai là-bas. Donc ça, c'est vraiment à tester. Alors, c'est une matière assez... bah, franchement, c'est une matière été. Hein. C'est assez... je sais pas si tu... Enfin, c'est pas épais du tout. Donc, à voir. Après, ces matières-là, je suis pas trop ouf. Donc, à voir. Ça, ça a l'air d'aller. Et j'ai pris un noir, tout simple. Comme ça. Un noir. Le noir va peut-être mieux passer que l'autre. Je ne sais pas. Ça, à tester, à voir. Mais au pire des cas, ça,
je sais à qui donner, encore une fois. Ensuite, on a celui-là. Ah oui, celui-là, je savais pas trop. J'ai pris en XL. Ah oui, celui-là. Je sais pas si je vais le garder, celui-là. J'ai voulu tester, hein, voilà, on teste. Puis, de toute façon, sur chaîne, en général, tu renvoies et ils donnent les sous et tout. Donc, j'ai voulu tester ce haut-là. Alors, je pense que clairement, je peux le tester au-dessus de mon t-shirt. Parce qu'il a l'air hyper large. Oh, la texture n'a pas l'air... La texture n'a pas l'air folle. Bah ouais, non, finalement, je pense que je vais pas aimer. Les bras, c'est pas mon délire. Alors, le bas, il est comme ça. Alors, c'est... Ouais. Bon, là, il y a mon t-shirt, encore une fois, en dessous. Mais je sais pas. C'est pas mon délire. Clairement. Je sais pas, je le testerai sans t-shirt, sans rien. Mais mon avis, la texture, tu sais, elle est un... Je sais pas, la texture, elle est un peu bizarre. Donc ça, je vais vous le tester. Je ne sais pas si je vais garder. Moi, je suis plus t-shirt comme ça, tu vois, genre un peu épais et tout. Donc ça, je vais mettre dans les avoirs. Je vais mettre dans les avoirs, donc dans les... Dans les bof-bof, je vais mettre ça là à gauche. Je ferai des tests après. Ensuite, ah oui, j'ai voulu me prendre. Pareil, ça, à voir si ça me va ou pas. Alors, j'ai voulu tester des soutiens-gorge. Je ne vais pas forcément vous le montrer. Bon, après, les noirs, on s'en fout. Mais j'ai voulu tester les soutiens-gorge de chez Shane. Voilà, bon après, celui-là, il est noir, donc en soi... On s'en fiche un peu. Ah ouais, par contre, mesdames, le derrière, pouf, là, il va bien tenir ton dos. Si t'as un dos plus costaud que le mien, fonce. Parce que franchement, je crois que c'est l'une des premières fois où je vois le dos, en fait. Le dos du truc aussi large. Genre, tu vois, vraiment. Non, je pense que ça peut être pas mal. Le... Là, il y a juste ça que je pense que je sais pas trop si ça va être solide, mais à voir. Pareil, à essayer, à voir si ça me va ou pas. Je vais tout essayer et une fois que j'aurai tout essayé, je ferai le. J'irai sur ma commande et je leur dirai si ça me convient pas. Là, du coup, bah, j'ai des remboursements à faire. Voilà, un t-shirt homme en S. Voilà, donc ça c'est pas pour moi, c'est à offrir. Il est vraiment beau, je vais peut-être me prendre pour moi aussi. Parce qu'il est vraiment beau. Donc ça, je pense que ça va lui aller. Ça va lui aller, mais du coup, c'est pas pour moi, ça va aller derrière. C'est pour quelqu'un. Ensuite, je pense que je vais faire... Non, je vais tout faire. Parce qu'on est déjà 18 minutes et je suis presque à la fin du truc. Ensuite, un autre t-shirt, cette fois-ci en L. En L, j'espère qu'il va m'aller parce que celui-là, il est vraiment magnifique. Mais je pense qu'il ne va pas m'aller, il est peut-être un peu petit, je pense. Mais sinon, je le renvoie, je le prends direct en XL parce qu'il est vraiment magnifique. Et là, tu vois, c'est vraiment le tissu que j'aime bien. Et il y avait le même dessin, mais dans une autre couleur. Et franchement, il est franchement magnifique. Ça... J'aime beaucoup. À tester aussi, à voir si c'est ma taille ou pas. Parce qu'en fait, de base, ma taille, c'est L. Mais des fois, Shein, L... Shein, des fois, le L est un peu un petit... Des fois, l'année dernière, j'en avais acheté des fringues. Et le L, il me faisait un crop top. Super. Moi qui ne mets jamais de crop top, ça me faisait un crop top. Alors, ah oui, il y a ça aussi. Donc, un autre short NASA. Pour femme. Donc ça, je pense que celui-là... Je vais bien l'aimer parce que c'est la texture que j'aime bien. Je l'ai pris en XL. Je pense que j'ai bien fait de le prendre en XL. Parce que moi, au niveau de là, je suis large. Donc voilà, un petit NASA. Voilà, je voulais me faire plaisir. Et j'aime beaucoup la marque NASA, personnellement. Voilà. Ça, je vais tester aussi, mais je pense que ça m'ira. Clairement. Il nous reste encore deux trucs. Enfin, trois avec celui-là.
si celui-là est une dinguerie. Tu vois juste ça. C'est une dinguerie. Alors j'ai pris un, j'espère que j'ai pris en XL au moins. Yes, je l'ai fait en XL. Je suis trop contente. Normalement, XL, ça devrait m'aller, je pense. Hein. Alors, c'est une robe comme ça. Oh oui, une seule. Oui, ça va m'aller. Vu comment c'est ultra large, je pense que ça devrait m'aller. C'est une robe, mais avec une bouche comme ça. Genre Rolling Stone. Je crois que c'était ça, Rolling Stone, c'est un truc comme ça. Je sais plus c'était quoi le nom des bouches. Et en fait, dans ma génération, les bouches comme ça, c'était des dingueries. Je me rappelle, c'était Huda Beauty. Ils avaient des bouches comme ça. Et en fait, ils avaient... En fait, c'était la mode des bouches. Donc, ils avaient fait que des bouches et tout, franchement. J'ai un ami qui me disait que ça allait pas être ouf, mais je le trouve vraiment beau. Donc, en fait, c'est une robe. Clairement, ça peut faire robe. Voilà, donc à tester aussi. Mais ça, vu comment c'est large, je pense que ça va m'aller. Par contre, les L, je sais pas s'ils vont m'aller. Donc, pareil, je vais tester. Je pense que je vais en tester une partie après la vidéo, là. Parce que je crois qu'il est pas trop tard. Parce qu'après, les feux d'artifice vont commencer. Et oui, ça commence. Le sac, on le garde pour les renvois, évidemment. Le deuxième soutien-gorge, je ne vous montre pas parce qu'il est blanc. Et que je préférais vous montrer le noir et pas le blanc. Et ensuite, un autre short. Oh, il est magnifique. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Regardez-moi ça. On est d'accord qu'il est magnifique, ce short. Wow, j'adore les couleurs. C'est pétant, c'est peps. Oh, j'adore. Et la texture, tu vois, elle est pas comme l'autre. Là, c'est texture un peu doux. Et à l'intérieur, t'as une espèce de doux. C'est pas un short de bain, ça? Je viens de capter ça. C'est peut-être un short de bain. Parce qu'en fait, ça a le même tissu qu'un short de bain. Il y a des poches. Je sais pas si c'est un short de bain. C'est un short de bain, ça, peut-être. C'est peut-être un short de bain. À voir. Parce qu'en plus, j'ai un soutien-gorge qui peut aller. Genre, ça fait vraiment maillot de bain. Ou c'était plus un maillot de bain, mais je m'en rappelle pas. Non, ça, franchement, j'adore. Et je l'ai pris en XL aussi. Voilà, j'ai tout pris. En bas, j'ai pris beaucoup, pas mal de XL. Donc ça, je pense que ça, je vais bien aimer. Donc du coup, je vais tout essayer. Il y en a partout. Je vais juste, je disais, renvoyer les deux vestes et les prendre en XL. Voilà. Je renvoie les deux vestes. Et je me les rachète en XL. Donc du coup, je ferai peut-être pas ma commande aujourd'hui. J'attendrai peut-être le remboursement pour faire la commande. Donc les deux vestes, je les reprends, c'est sûr, elles sont trop belles, en XL. La robe, bah, je la reprendrai s'il y a ma taille. S'il y a ma taille, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pris une robe de bébé, mais j'ai pris une robe de bébé. Super. Et après, bah, il y a tout le reste à clairement à tester. Voilà, donc ça fait une petite, un petit tas à tester. Voilà, et les maillots de bain aussi qu'il faut que je teste. Donc voilà, je vais tester tout ça et je vais vous lire du coup, peut-être en short. Je vais peut-être vous faire des petits shorts de temps en temps avec des habits peut-être sur de Shein. Ça peut être sympa. Donc voilà, pourquoi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Il y aura une partie 2, mais je filmerai ça que demain. Petite partie 2, et ce sera pas des vêtements, ce sera autre que des vêtements. Ce sera, il y a une paire de chaussures, et il y a plein d'autres trucs. Voilà, donc dans les autres, du coup, je vous ferai une autre vidéo qui sera un peu plus courte. Donc voilà, moi j'espère que le haul Shein vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!